L'argent est bien. Ma mère a commencé à se plaindre là-dedans. La Mercedes. Merde. L'argent, non. Je dis que c'est la Benz, Benz, Benz. La recharge du crédit est toujours indisponible. Mm. Yeah, yeah. Valsero. Tu veux parler à qui, à Valsero? Ouais, je vais parler à Valsero. Bipez-moi Valsero, vite, vite, vite. Valsero. Oh, petit Kongoussa. On fait un petit Kongoussa pour détendre l'atmosphère. Parce que les followers d'Amer Kamer sont là. Steve Fa, bipez-moi Steve Fa. Bipez-moi Steve Fa, vous bipez Valsero. 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 Bon, moi je suis. On va considérer que je suis Valsero. C'est-à-dire, imaginez-vous. Tu as l'air de parler avec quelqu'un au téléphone, il est comme ça là. Tu es plus de 100 personnes. Partagez ça. Bipez-moi. Oh. Il sait que c'est votre cadre congo-satique. C'est votre cadre congo-satique. Bipez-moi si vous voulez. Bipez Flor, vous bipez Valsero. Valsero, tu dis que quoi? Si vous faites. Attendez. Voilà. Bipou. Maman, l'argent est bon. Valsero. Steve Fa. Fleur de Lille. Du Cambindo. Bipez-moi l'équipe. Je veux faire une rue. Je vous avais dit. Que Valsero ne peut pas Kim. Merde. S'il veut pas, arrête tes mauvais esprits. Hein. Partagez. Willy Joss partage. Delphine partage. Marcherie pour le Caïman. Quand vous arrivez dans un live d'Amer Kamer, partagez. You know. Amer Kamer, c'est la bonne humeur, la joie, la gaieté, le game et tout ce qui va avec. Willy Joss partage. Freddy partage. Partager, ça ne va pas tout de suite. Watanawata, même tu ne partages pas. Watanawata. Je veux un seul partage. Ma chérie Pot Caïman, partage. Partage. On a dit. Ounina. Jessica. Oboya. Partage alors si je t'ai donné mal au côté. Non, je suis à l'aéroport là, on était accueilli le sultan. Ah, non, on doit pas m'envoyer en ville. Julie Cassandra, même toi, je ne partage pas. Mon gars, pris à qui moi, 2h du matin, à Issy, salut, bro. Watana Wata partage. Quand vous partagez, ça marque sur votre tête à partager. Moi, je rien, je pas encore mandat à Ira. Je veux les followers courageux. Maintenant, on fait à l'aéroport. Watana Wata vient de partager. Ça a marqué partager. Bipez-moi tout le collectif. Ok, maintenant alors. Amen. Ce qu'on fait, on va manger. Hein. Uh-huh. On va manger parce qu'après, ça sera tard. Il est déjà 22h. Okay. Le corps part d'ici à 2h du matin. Uh-huh. D'accord? Ouais. Donc, nous, on va manger et on revient rattraper le cortège. Okay? Ok? Ok. D'accord. Non, nous, on est. Donc, même si vous voyez comme ça. Je vous avais dit ici. Je vous avais dit que Valsero ne peut pas venir. On a dit que quoi? Merci. Je vous avais dit que Valsero ne peut pas venir dans les affaires de Steve Fa. Oui, on s'en parle. Oui, exact. Merci pour la salle. Merci. Non, c'est la Mercos. C'est la Mercos. Ouais, c'est clair que. C'est la Mercos de Guylaine. C'est clair qu'avec la baisse. Voilà. Envoyez le cœur. Ouais, avec la base. Vous qui voulez toujours la séparation. C'est très compliqué. Vous qui voulez la séparation entre Guylaine et Amer Kamer. C'est impossible. C'est la pure jalousie, c'est impossible. Nous, voilà. on se suffit en fait. Voilà. On se suffit. Là maintenant, on va aller manger du couscous japché. Voilà. Avec de la viande de bœuf sauce tomate et du poisson fumé. Mm-hmm. On va manger ça tout de suite. Et après, on revient à l'aéroport. À l'aéroport pour.
accompagner le sultan à 2 heures du matin. Ouais. Parce que ça part directement. Toute la cérémonie officielle est finie déjà. Bonsoir, Kone. Voilà. Donc maintenant, c'est le recueillement. On va manger tout de suite. Maman, il était parti avec les taxis, ma voiture du village là. Ça te donne le goût, tu sens comment tes fesses deviennent acides. Là, ça va mieux. Là. Non, là, ça va, le cœur est doux. Oui, mais non, il n'y a pas de souci. Hein. Et les gens, j'ai DPCM là. J'avoue. Oui. C'est pourquoi, gars, on peut mourir pour le CPDM. Ça, c'est clair. Sans le CPDM, je vois la Merco où. On ne doit pas. On le doit RDPC pas. Ne manque pas. Steve Fa, on ne doit pas laisser Steve Fa et Valzero. Non, on doit régler l'affaire qui est entre Steve Fa et Valzero. J'avais annoncé que Steve Fa ne peut. C'est-à-dire que ouais, Valzero ne peut pas être pas là. Il n'a pas le droit d'insulter Steve Fa. Non, il n'a pas. Non, il n'a pas. Il a dit que Steve Fa, c'est un couleur de vidéo. Mais la vérité, c'est un couleur de vidéo. Tu sais que Valzero, c'est un cogneur de tête. Parce que quand il dit. Il préfère Amer Kamer parce qu'il dit qu'il aime beaucoup Amer Kamer. Parce qu'Amer Kamer tape sur tout ce qui bouge, après chope ses dos. Il dit que Amer Kamer, c'est Aouya Aouya, il s'en fout. Oui, c'est Aouya Aouya. Eh bien. Je me suis trompé. Les klaxons, on peut dire un peu à la fille là, si ça passe. Oui, parce que là, je vois les clous, non? Demande un peu à la fille si ça passe. La princesse! Est-ce que je me suis trompé? Parce que je vois les clous sur la route. Attends, demande un peu. Il y a les clous! C'est bon. Ok, c'est bon, tu peux passer. Ah, c'est bon. Ah ok, c'est bon. Ah, ça baisse? Ouais, ça se baisse, ouais. Attends un peu, fais voir. Gars, parce que le pneu de la Mercedes, mon frère. Là. Le pneu de la Mercedes coûte cher, mon frère. Un peu seulement. Donc, aujourd'hui, 500 personnes, partagez. Amina Fanta, I love you. Partagez, les gars. Partagez, Steve Fab. Bipez-moi, Steve Fab, si. Vous me bipez le général Valzero. Vous me bipez du Kamahindi. Oui, là je suis. Regardez le pays, regardez. Aéroport de Simaline. Ah ouais. Là je suis dans la Benz. On est en Benz, baby. Vous qui aimez le sabotage, Apollonie Ngono, je te prends un petit dessert, mais pour l'instant je m'occupe des gros. Valzero, à la barre. Bipez-moi, Valzero. Je n'aime pas ce que tu fais, Valzero. Je n'aime pas ça. Non, il n'avait pas à faire ça à Stifa. Il n'a pas dit. Valzero ne peut pas dire que Stifa fasse un vautour. Et que c'est un colère. Que c'est un colère. Un colère de vidéo. Même si c'est vrai, on doit faire semblant. En plus, il a dit que pourquoi Steve, que Steve Fa est incapable de faire une vidéo. Non, mais il est allé quand même. Non, Steve Fa est incapable de faire une vidéo. Tu as entendu un jour que Steve Fa fait un truc. Non. C'est que les gens. Steve Fa n'est pas un blogueur. Je vous avais dit ça. Tu as tapé, oh, s'il veut faire ça au pays, tu as tapé poteau dans mon terre. La prochaine fois que l'ambassade de France te donne le visa, nous les véritables blogueurs, on doit aussi te donner le visa là. Paris, c'est la tombée des géants. Tu as dit que quoi, que Valzero devait être là. Je me rappelle du live que j'ai téléchargé le live. Valzero a dit qu'il va lui porter plainte. Qu'il a utilisé son nom et fait pour faire venir les gens. Valzero, donc il est déjà aussi dans le Japon. Hey! Ça m'a dépassé. Mon frère, je viens réunir la diaspora. Je viens faire un dîner. Hey, si veux pas, ça ne marche pas chez nous. Si veux pas, va réunir la diaspora de Mbeng. Nous-mêmes qui sommes ici au Cameroun, ils ne connaissent pas nos numéros. Voilà. Comme s'il a déjà fait au Cameroun, on a vu. Ah, Sifa, tu as fait quoi au Cameroun, on a vu? Tu vois un peu? Là, je suis une Benz. Hey, maman, bipez-moi s'il veut pas ici. On parle de blogueur au Cameroun. S'il veut pas, il va dire qu'il est blogueur. Oh, s'il faut, quand on parle de blogueur, enlève dans la tête que tu es un blogueur. C'est pas parce que tu as un blog. Même un enfant de 2 ans peut avoir un blog. Tu n'es pas un blogueur. Quand Steve Fa se connecte et il prend un sujet. S'il veut pas, connecte-toi, développe un sujet. On voit si tu veux que tu as réuni. Hein? Tout le monde fait ce que tu fais. Tout le monde colle les vidéos maintenant. C'est moi, ça m'aime quand même. J'arrive. Je dis ce que j'ai à dire, je pars. Valzero a dit.
Parce que ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Que les gens rient, Ahmed chope ses dos. On appelle ça l'enfant du terre. Il dit que chez les blogueurs Kamel, le numéro 1, sa mère Kamel n'a pas son 2. N'chapap, je suis là dedans. Politique, je suis là dedans. À fond. Bien-être camerounais, je suis là dedans. Oui, oui. Au PEP, tu es au PEP, dedans. Le seul blogueur multimillionnaire qui est dans les OPEP. Il n'y a pas le 2 de ça. Maintenant, je suis dans une Mercedes, Benz. Maman, le cuir de ça. Maman, le cuir chauffant. Oh, Sif, amène le Hummer. Le Hummer. Tu abuses. Si je fais, je vais te dire pourquoi je t'appelle Vautour. Parce que tu manges dans l'ignorance des Camerounais. Tu as fêté tes 1 million de vues la dernière fois. Ouais, dédicace, big up, tu es très fort. Tu as fêté tes 1 million de followers. 1 million d'imbéciles. Tu as fait quoi avec tes followers? Dis-moi un projet que tu as fait au Cameroun, tout le monde a confirmé le code. Il y a tes stagiaires. Tu as dit que tu veux rentrer. Il y a tes stagiaires qui viennent se plaindre chez Amer Kamer. Tu as encore les voix sur mon mur. Oh, Sifa a dit qu'il va nous rendre populaires. Sifa, tu n'es pas blogueur. Comment tu peux créer un blogueur? Un blogueur, c'est naturel. Un blogueur est un libre penseur. Tu vois ce que je veux dire? Un blogueur, c'est même un influenceur. Sifa, dis-moi un peu, t'influences quoi? Rien. Tu coupes la chose de. C'est un vautour. Tu manges sur ce que nous on a chié. You know? Ouais, t'as profité de la popularité de ma chérie. Ça, c'est le papa des abeilles qui vous parle. Amen, Kamel, le papa des abeilles, oui. Tu as profité de la visibilité, le flanc de l'île pour pouvoir injecter. On t'a vu venir. J'ai dit à compresseur. Tante, elle n'est pas venue. Ouais. Compresseur a du caractère. Hein? Compresseur a dit qu'elle ne vient pas. Beaucoup de femmes que j'adore. Elle dit que compresseur a dit que je ne. Ça dit que un croque-mort ne peut pas m'inviter, je viens. Elle peut pas. A une personnalité unique. Ça c'est clair. Mm-hmm. On a vu les vautours arriver sur place et les affamer. Il y avait Mahabienne. Elle a faim tous les jours. Laisse Mahabienne tranquille. Elle avait faim, non? Mahabienne, est-ce que quelqu'un peut avoir faim à Ahmed aussi? Mahabienne a faim pour tout le monde. Mahabienne a pas. Elle, voilà encore une. Oh, il y avait l'autre là. Oh, mon ami là-bas. Oh, oh, du Cambindo. On avait l'impression que c'était une soirée de ma bongo. S'il veut faire ma bongo, du Cambindo, ma bongo, Flore de Lune, ma bongo, Mahabienne, ma bongo. Oh, Ahmed, Ahmed, je. Je n'aime pas ta bouche là. La bouche du gars, si. La bouche du gars, si. Attendez, pardon, faut. La sortie pas organiser. Jean le mignon, ma bongo. Regardez un peu le staff qui était là. Les gens qui étaient là-bas. Du Cambindo, ma bongo. Siofa, ma bongo. Jean le mignon, ma bongo. Flore de Lille, ma bongo. Mahabienne, ma bongo. Hey, oh. Hey, C'est incroyable. Après, on va dire que non, c'est ma. Je suis véridique. Maman, le pays, c'est avec le Congo, ça. Man, si je te lance un défi, fais un live. Parler d'un sujet où les Camerounais se sentent intéressés. Tout à fait. Si mère quand même qui te parle. Tu te prends pour un blogueur. On a défendu. Défends une idée. On a défendu le Cameroun contre la base. Prends une position. On a reçu les flèches. Voilà. Positionne-toi. Moi, quand je pose, quand je prends. La défense du RDPC, j'amène ça jusqu'au bout. Si positionne-toi. Tu reçois les flèches, tu t'en fous. Je vais te décrypter. Si, on ne sait pas. T'es du MRC ou t'es du RDPC? Tu baisses ton front au gouvernement ou tu baisses à l'opposition? Choisis ton camp. Tu as dit quelque chose qui m'a fait mal, Steve. Tu as dit que tu es dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. À partir de ce moment, tu viens de déshabiller. Ça veut dire que tu viens de perdre. Tu viens de baisser ton froc en public. Ouais. Un mec ne baisse pas son froc. Même si tu es là pour chercher l'argent, tu gardes ça pour toi. You know? T'as vu ce que je veux dire? Ouais. Il a Yaoundé, mais sa mère Kamé qui contrôle Yaoundé. On veut des gars comme ma mère Kamé. Des gars vrais, des gars crédibles.
ma Bongo, mais je n'étais pas là-bas. Lungong, n'ayez pas honte de partager. Michel Fontep, n'ayez pas honte de partager. Aminka, à repartager. Vous êtes là, vous regardez, mais vous ne partagez pas. Pourquoi? Parce que mon compte n'est pas monnaie que vous ne partagez pas. Hein? Parce que mon compte n'est pas monnaie, vous ne partagez pas. Les gars vont sauf que d'aille. Les gars vont. Je mets un défi, si tu veux pas. Prends un sujet. Je te donne le sujet. Il y a Kamouata qui a fini avec les Camerounais. Il y a les infirmières qui n'arrivent même pas. Qui n'arrivent même pas à être soutenus. Il y a Enéo qui tue les Camerounais. Il y a les Benzikineurs qui n'ont pas de casque. Il y a la canne qui arrive. Sifa, tu as fait quoi? Il attend que Guylaine Chapuis fasse une vidéo pour qu'il coupe. Tu attends quand même fasse la vidéo pour que tu coupes. Hein, croque-mort. Hein, le croque-mort. Coupeur de vidéo. Un coupeur de vidéo n'est pas un blogueur. Ah ouais. En gros, Valsero a quand même raison. Hein? Mais Valsero a raison sur toute la ligne. Ouais, Valsero a raison sur toute la ligne. Mm-hmm. Mais, ça dit que j'ai tellement flamponné Steve Fa qu'il a dit que moi, je suis dans les réseaux sociaux pour chercher l'argent. Il était obligé d'avouer. Ouais. Les affaires de Steve Fa, c'est comme les affaires des Chinois, ça ne dure pas. Stevie, les affaires de Steve Fa, c'est comme les affaires des Chinois, ça ne dure pas. Ouais, tu nous as montré comment tu as une nouvelle baraque, comment tu dois faire une nouvelle décoratrice. Ouais, tu nous as montré tout ça. Ouais, tu nous as montré tout ça. Ouais, Steve, t'es blogueur. Grâce à la créativité des gens. Grâce à la créativité des gens, tu nourris ton cerveau. Mais la question que je vais te poser, combien de tes followers ont une maison? Combien de tes followers sont victimes de Néo? Combien de tes followers sont victimes de la police? Combien de tes followers n'ont pas de carte d'identité? Bon, combien de tes followers marchent avec le récépissé depuis 2 ans? Tu dis que tu es un blogueur, tu es un influenceur. Regarde la souffrance de tes followers. Et là, on va parler. Là, tu vas me dire que ouais. Je vais dire que ouais, tu es un véritable blogueur. T'es rien. T'es rien. Pour moi, mes yeux. T'es rien. Je ne peux pas t'estimer. T'as pas la substance grise à qu'il faut pour être un influenceur. T'as pas cette substance-là, non? Tu manges dans l'ignorance des Camerounais. Non, Steve Fa, il a fait une vidéo à Paris sur l'Amado. Ça n'a pas pris 1 minute. Il a eu peur. Après, tu coupes. Je suis déjà fâché. Il a fait une vidéo. Chaque chose a un début. Il a fait une vidéo. Partagez le live. Ça va pas vous tuer. Il n'a pas pu tenir 2 minutes. 2 minutes sur la route, sur je les Champs-Élysées. Les affaires de Steve Fa, c'est comme les trucs des Chinois. Ça ne dure pas. Ça n'a pas fait 2 minutes. Hein. Grand baraque. La date de péremption de Grand Barat. Grand Barat. Pourquoi tu n'es pas resté en Benka si tu ne veux pas t'abrir? Grand Barat, c'est lui qui était dans à la cave. Oui. Steve Fa, c'est un bricoleur, gars. Le gars, il tape la tête à gauche, à droite, c'est un bricoleur. Hein, Steve Fa, ça met quand même. Tu as porté plein de tout aussi. C'est pas, tu peux porter plainte. Oh, tu peux porter plainte pour. C'est quoi la plainte? La validité de Grand Barak, c'était combien de temps? Un an, 3 mois. Ouais. Les affaires de Steve Fa, c'est comme les affaires des Chinois, ça ne dure pas. Ouais. Oh, Malox! Je n'ai pas ce que tu fais. Oh, Malox! Ouais, salut Marine. Partagez, les gars. On est là pour s'amuser. Faut pas effacer. Hein? Sylvie, fais un live. Défends le bien-être des Camerounais. Arrête de coller les vidéos. Arrête de coller les vidéos. Moi, c'est Amir Kamer, le king. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses. Sifa, tu parles pas de crypto-monnaie, pourquoi? Les Camerounais veulent changer. Les Camerounais ne veulent pas le franc CFA. Il y a la crypto-monnaie qui frappe sa porte. Parle de la crypto-monnaie. Parle des bienfaits de la crypto-monnaie. Parle de comment les policiers paient les 500 dehors. Parle de la corruption au Cameroun. Parle du bien-être des Camerounais. Tu parles de quoi? Voilà ton projet, fabriquer les blogueuses. Ben non, des vendeuses de piments.
Non, si pas te tailler, man, tu n'as pas résisté. Parce que les vrais, on t'a trop couvé dans le système. On t'a trop couvé des petits contrats de 2 millions par-ci, 1 million par-là. Ouais, t'as fait tout ce qu'un bon blogueur peut faire. Ça dit, t'as fait la baraque de ta vie, t'as fait les gens pour... Non, Siri, ouais, tu vas continuer à Canal 2, on va t'inviter un peu à la CRTV. Tu vas essayer de gratter partout où tu peux gratter. Mais man, à part ça, t'es rien. Dans le game des blogueurs, tu vois. Voilà. Ouais, les gars, partagez encore. On est à 911 tout à l'heure maintenant. On a chuté jusqu'à... On repartage. On remet le game. Et you know? You know my name? My name is Amer Kamer, le fils de la nation. Ah ouais. On partage. On prend le game. Ouais, merci pour l'habillement. Merci pour le style. Ouais, les gars. Il a déjà réconcilié que deux. On partage. Je veux la puissance des partages, les caméras. Je dis, hein, tu sais qui est là encore là. La veuve joyeuse. Aïe! La veuve joyeuse a l'investi. Aïe! Le gars, il est venu chercher les problèmes en bête. Ouais. Oh, les fans de Steve pas arriver. Oh là 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 là. Man. Moi, jaloux de Steve Farr. Je suis le premier blogueur crypto-millionnaire au Cameroun. En Afrique. Le premier blogueur crypto-millionnaire. Je vais jalouser Steve Farr de quoi? Joss, dis-moi un peu. Je suis jalousé de quoi? Je ne mange pas dans l'ignorance des Camerounais comme s'il veut faire. Je rends les Camerounais éveillés, intelligents. Je demande aux Camerounais de combattre les néos. Je demande aux Camerounais de vivre, d'arrêter de venir en bain. Il n'y a rien en bain. Le blanc nous a tellement chicoté qu'il nous a fait parler. Il nous a fait croire que l'Europe est bien. Merci Simat. Merci beaucoup. La ceinture sécurisée. Sécurité, oui, t'as raison, man. Bien fait, fan bondi. Tu es là pour me critiquer. Quand il regarde même là, tu es un faux profil. Non, sérieusement. J'aime moi dire la paix que... Oh, il dit que non, Valsero devait être là. Mais je savais, Valsero. Je n'aime pas ce que tu fais là. Appelle Valsero à la barre. Valsero, à la barre. Ouais, Valsero, tu sais. Bienvenue dans le. À la clinique. Bienvenue à la clinique. Valsero, aucun rabais déclaration. Il paraît que Valsero a chassé une femme de sa clinique. Oh, Nathalie, quoi, tu devais être. Oh là 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 là. S'il veut faire le premier blogueur à taper poteau, le poteau de ça. Depuis que Nathalie Nkoua a frappé Steve Farr ne s'est pas encore relevé. Elle te dit, ah. Elle avait dit quoi? Que le costume carré rouge là. Le lendemain, les Camerounais avaient les sabages cousus. Et c'est Steve qui dit que c'est Gucci. Un ridicule. Dit que c'est Gucci. Steve Farr peut s'acheter une veste Gucci à toi. Mais je sais pas. Non, Steve Farr. Amer Kamer te met un défi. Amer Kamer, Steve Farr a quand même essayé. Il a essayé de faire quoi? Il a essayé quand même. De faire quoi, maman? Mais moi, je n'ai pas trop compris. Essayer dans zéro n'est pas essayer. Hein? Essayer dans zéro n'est pas essayer. Parce que zéro non, facteur est quelque... Moi, quand il a émis l'idée, pour moi, j'étais sûr que Steve Farr venait reconcilier. Non, je vais te dire. Les blogueuses. Je suis sûr d'une chose. Je ne sais pas quel budget il a pris. S'il veut pas être tellement, ça dit que c'est tellement un rapace. À mon avis, on a dû lui donner un chèque. À mon avis, là, il n'a pas fait ça pour rien.
Tu vois un peu, il voulait manger dans notre ignorance. C'est-à-dire, il voulait que Valsero vienne là-bas pour qu'il aille dire que oui, j'ai reconstruit la diaspora, moi le grand après, Steve. Après, il va rencontrer les ministres pour dire que Valsero. Après, il va rencontrer pour les ministres pour dire que Valsero a fait dit ceci. Il se calme. Voilà. On donne l'argent. Et après, on donne l'argent. Hein? Hein, on t'a vu arriver, hein? Mais quand même, on t'a pas loupé. Hein? Amel Kamé emploie 15 personnes au Cameroun. Amel Kamé emploie 15 personnes au Cameroun. Ah oui. Et... On est que Guylaine ressemble à la femme du ministre Ndjoumé ici. Je peux ressembler à une laide de femme comme ça. Qui a dit que je ressemble à la femme de Ndjoumé ici? Tu as vu sa femme? Ben oui. Elle est laide. Mais elle est moche. Attends, je ressemble aux femmes comme ça. Je suis unique, moi. C'est ton sexe. Vous êtes dans le même parti. Hein? Vous êtes dans le même parti. Gars, je tire sur tout ce qui est mauvais. Même si tu es dans... Est-ce qu'ils ignorent que nous sommes d'abord républicains? Voilà. Voilà, on est républicains, mon ami. On parle de ce qui ne marche pas. Alors, son épouse ne pourra jamais me ressembler. Et ouais, on n'a pas les amis. Nathalie quoi a dit, je ne suis pas responsable. Ah, mais quand même, j'ai... Je sais pas qu'on dit que s'il veut faire un horrible carré, tu as les horribles versets carrés, on perd le réseau. Les gars, partagez, envoyez des cœurs. Le live est menacé, les gars. Sérieusement. Ah, vous ne partagez pas parce que c'est dans la benz. Hein? Apparemment. C'est bon? Non, ça revient, 356. On repart, on partage. Les gars, sérieusement. Comparez ce qui est comparable. Comparez, vous n'avez pas comparé une Ferrari avec un gars tordu comme Ducamère, non. Ducamère a le droit de dire tout ce qu'il veut. Ducamère, c'est le seul blogueur qui a l'accréditation de dire ce qu'il veut sur Amer Kamer. Mais ouais. Par contre, Ducamel, c'est mon ami. Je ne veux pas que tu... Faut... Ducamel dit qu'il est bien, bien avec toi. Et puis, un jour, vient seulement... J'ai de l'atomiser. Non, Amen. Non, moi, il faut laisser Ducamel tranquille. Moi, je laisse souvent Ducamel tranquille. Oui, Ducamel... Mais le problème de Ducamel, c'est qu'il n'a pas de personnalité. Ah. Mon pote ne peut pas être le Tinder de quelqu'un. Ducamel, c'est un Tinder à vie. C'est le Tinder de Flore Delis la vie. C'est celui que Flore Delis suit les pieds. Ouais. Quand Flore Delis dit go, il go. Quand Flore Delis dit à droite. Ça dit, non, c'est ça le problème avec Ducamer, tu vois un peu. Mm. On a l'impression que Ducamer est à peu près comme s'il veut faire. C'est la même bande, c'est la même reine. Ça dit, quand tu regardes Sifa, tu regardes Ducamer, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de conviction. Tu ne perds pas le temps. Bon. Ah, mais apparemment, Ducamer. Non. Ducamer a le droit. Ducamer a le droit de parler d'Amer Kamer. Je lui ai donné l'accréditation. S'il veut se faire un nom, il faut quelqu'un de costaud. En gros, quand Ducamer me coche, c'est comme s'il est en stage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je chope que les requins. Je ne chope pas les Yamamoto. Allez, Amer, tu es déjà en Beng, n'est-ce pas? Non, je suis au Cameroun. Il a voulu l'intérêt à Pugna. L'intérêt à Pugna, c'est comme Beng, non? Non, je suis au pays à taille de monde. Je suis au pays. Je vais vous dire quelque chose. Les aigles volent ensemble. Les moineaux volent ensemble. Ducamer, je peux pas clasher Ducamer, je peux pas. Ducamer a porté mon sac. Ducamer m'a dit, grand Amer Kamer, je te remercie. Grâce à toi, je vais mettre ma marque dehors enfin. Ah non. Vous avez vu les photos le jour où Ducamer m'a rencontré. Je vais vous montrer encore ça. Je vais vous montrer les photos le jour où Ducamer m'a rencontré Amer Kamer. Vous allez me dire Kamer, Kamer, oui. Vous allez me dire Kamer, Kamer, non, 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 je vais vous montrer des photos. La rencontre d'Amer Kamer et de Ducamer. Moi, il ne voulait pas.
Mais bon, vous me poussez à... Je vais vous dire, du caméra a le droit de se fabriquer derrière moi. Je suis désolé. Capture d'écran. Non, parce que des fois, quand tout le monde me dit, oui, Amer, Kamer, t'es trop dur avec du Kamer et tout, je dis non, je suis pas dur avec du Kamer. Il n'a pas de personnalité, c'est pas... C'est un fait. Je peux pas taper sur un fait. Oui, mais moi, je pense qu'il a le droit d'être avec qui il veut, mais et pouvoir défendre aussi ses convictions qui peuvent ne pas être les mêmes convictions que ses amis. Tu vois, quand j'ai vu Dukamer déclarer que Messa est jaloux de Amon, c'est là où j'ai dit, mais Dukamer m'a... Il m'a déçu par contre là. Non, pourtant, c'est un gars qui a des sujets bien, bien spécifiques. Non, et tout. Non, mais quand je l'ai entendu dire que quelqu'un qui travaille tous les jours et qui a un salaire, comme hier, dans ton direct, quand Anango disait que Jean-Louis Messa a dû mentir sur son salaire et tout, tout ça. Moi, comme je suis bloqué, je ne peux même pas intervenir. Moi, je voulais dire une chose. Le truc, ce n'est pas le montant du salaire que quelqu'un touche. Mm-hmm. Ce n'est pas le montant du salaire. C'est le revenu vital. Mm-hmm. Tu vis de quoi? Tu comprends, Amen? Non, ouais. Voilà. Même si Messa a 2000 francs suisses par mois, 2000 francs suisses par mois, tu peux faire tes business aussi à côté. Mais toujours est-il dit, tu as un salaire, tes enfants te voient te lever tous les matins et aller bosser. C'est là où tout s'arrête. Donc là où il continuait que non, il a menti. Moi, je comprends pas. Je sais même pas pourquoi Messa mentirait sur son revenu. Il a montré sa fiche de paie. Hein? Il a montré sa fiche de paie et on dit que non, sa déclaration est fausse. C'est ce qu'Amot a dit. Mais que Amot sorte, ça parle de déclaration. Hein? C'est quoi? Il y a un deuxième problème. Que Amot sorte, ne serait-ce que la déclaration annuelle. Tu comprends? Non, c'est rien. Le problème comme ça. Je ne sais pas que j'aime les problèmes. Tu comprends? Les filles, les fiches de paie. Il n'a pas de fiche de paie, donc qui ne se moque même pas d'une femme de ménage. Voilà. Une femme de ménage est au-dessus d'un féman. Ça, c'est clair. Donc, c'est là où je voulais que Serge Anango arrête la discussion, en fait. Parce que le but, ce n'était pas de savoir combien Messa gagne. Non, ce n'est pas ça le sujet. Non, le problème, c'est que... C'est que Messa ne vole pas pour s'en sortir. Tu ne connais pas Serge Anango. Anango prend les sujets pour qu'on parle de lui. Donc, il est aussi venu se fabriquer. Anango était là pour le buzz. Anango, c'est un gars qui aime qu'on parle de lui. D'accord. Il va prendre un sujet, il fait semblant de parler du sujet, il parle de lui. Ok. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ben, c'est ça. Moi, c'était ça ce que je voulais souligner. C'est pourquoi le couple Messa aura toujours mon soutien. Voilà. Parce que Madame Messa travaille. Monsieur Messa travaille. Monsieur Messa travaille. Et ça se voit. Mm-hmm. Ça se voit. Ça se voit quand tu travailles, ça se voit quand tu racoles. Bon, et le couple Amout? Il ne travaille pas, Amout. Mm-hmm. On dit que c'est un homme d'affaires. Bon. Ok. La Fimaya, c'est devenu le. La Fimaya, c'est les affaires. Je vais aller lire sur ton tableau. Le tableau là. Est-ce que tu sais que les captures d'écran du tableau là, ça circule? Ça circule. Je vais aller lire sur ton tableau. Il y a des jeux. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, quand tu fais le bilan des émotions, des réactions, me s'en mène le jeu de très loin. Mais c'est ça là où je disais ceci, oui, tu vois un peu. C'est pour ça que moi, tes amis définissent qui tu es. Exactement. Parce que quand tu as quelqu'un, regarde un peu les fréquentations. J'ai vu Messa dans des dîners chez lui. Oh, ça m'a rappelé quand je fais mes dîners avec les collaborateurs de M. Chapuis. Mm-hmm. Et je les ai entendus dans leur dîner, les discussions amères. Ils parlaient de tout, des sujets d'actualité et tout. Tu sens des gens civilisés, les gens qui sont devenus, qui ont accepté l'Europe. Tu comprends? Mm-hmm. Ils ont accepté l'Europe. Ils ont une certaine qualité de vie.
Exact. Mais ça a une certaine... Moi, j'ai reconnu les vases de fleurs, hein, les vases, les fleurs qui sont chez mes sangs. J'ai reconnu ces fleurs-là. Tu comprends? Mm-hmm. Non, le gars a un intérieur. Il a un intérieur, dis donc, laisse ça. Le gars a un intérieur. Tu comprends? Ce qui m'a un peu paru bizarre quand même. Non, c'est des Européens. C'est celui qui est en sous-location. Parce que Dukam est en sous-location. Mais il critique quelqu'un qui est propriétaire. Et à sorcellerie là. Non, Dukam a montré son compte hier. Ou c'était avant-hier. Là, dans son compte, il y a 19 000 euros. Ah, il a aussi montré son compte. Et il a montré son compte. Il a dit que tu montres ta part. Dukam a 19 000 euros. 19. Et moi aussi, oui, moi je l'encourage. C'est très bien. Dukam, tu as 19 000 euros, travaille encore l'argent. Travaille encore jusqu'à 30 000 euros, tu viens me voir. Pourquoi tu le frappes? Et je vais te rendre riche. Et c'est vrai en plus. Et je vais te rendre riche. Parce que Amer Kamer, c'est le gars que tout le monde aimerait avoir dans sa poche. Le crypto-millionnaire. L'homme qui transforme tes... C'est-à-dire que l'homme qui transforme tes investissements, tu commences à parler fort, torse bombé. L'homme qui transforme 6 millions 400 à 80 millions. Ouais, c'est ça Amer Kamer, le king. On est vite arrivé à la pause centrale. Hein? On est arrivé, non, à la pause centrale. Bon, je vais appeler mes soeurs là, on va manger nos couscous, c'est temps maintenant. On va aller manger la grillade. Où ça? Il y a un endroit ici, Amer, à l'Omnisport. J'ai dit que les grillades qu'on fait là-bas, c'est du jamais vu. Il y a le rang. On grille tout là-bas jusqu'au gambas. Maman, là, regarde. Depuis que tu parles de mes sangs, les vieux ont augmenté. Hey, le fan club de mes sangs, la TKC. Moi, je te suspecte d'être de la TKC. Moi, hein? je suspecte que tu dois être de la TKC. Non, mais moi, je serai toujours pour compresseur, en fait. Hey! Moi, je suis pour compresseur et je suis pour Lolo. Parce que j'aime les femmes de caractère. J'aime des femmes qui boivent de l'eau, même si elles ont faim, pour garder leur dignité. Voilà. Non, moi j'adore les... Non, je serai toujours pour compresseur et je serai toujours pour Lolo. Lolo, elle, par contre, elle a hérité cela de sa tribu Banganté. Non, les Banganté ne mangent pas dans la poubelle. La fille Banganté préfère boire l'eau, elle dort. Angela, où on va l'insulter, tu comprends? Voilà. C'est pour ça que Compressor et Lolo, ça, c'est comme ça, ça cogne. Parce que les deux sont... Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quoi? Mais ça, moi, j'adore déjà le luxe. J'adore des personnes qui ont une certaine qualité, une finesse de la vie. Voilà. Oui, mais ça est fin. Je regarde jusqu'aux tasses où les gens boivent du thé. Bon, la tasse de Messan, ce n'est pas... Non, regarde la tasse dans laquelle Messan boit son thé. Ce n'est pas Yves Decaux. Non, il est dans Guy de Graines. Il est dans Guy de Graines. La marque de l'autre, c'était encore quoi? Non, ça, ce sont ses marques. Elle, moi, je sais. Moi, je connais les marques françaises. Guy de Graines. Non, Messan est dans Guy de Graines. Il est dans Guy de Graines. Il habite où? Oui. Il est en Suisse. Guy de Graines en Suisse, hein? Non, Guy de Graines, c'est un Français. C'est un vaisselier français. Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai les nappes. J'ai les nappes quand je reçois mes gens. J'ai même les nappes Guy de Graines, Amer Kamer. C'est pas la rigolade. Je regarde tout ça. Regarde la nappe sur laquelle me s'impose ses mains quand il fait le live. Regarde la nappe de table. Laisse tomber. Regarde les vases. Regarde la couleur des fleurs chez me sang. Regarde comment les fleurs sont agencées. Regarde les cadres photos. Cadres photos sur le mur de... Mais ça, tu as payé combien à Guylaine? Non, personne. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Mais moi, j'adore les gens quand ils sont en Europe, qu'ils soient civilisés, en fait. Tu comprends? J'adore des gens civilisés. Regarde comment Messang et son épouse s'habillent. Parfois, tu les vois, les deux sont en ensemble l'un. C'est européen en fait. Mais tu ne vas pas venir mettre des couleurs, mon frère, des couleurs, des choses, des chapeaux, des trucs grossiers. Non. Mais ça comme n'a comme pas... Fleur de Lis. Non. Non, pas comme Fleur de Lis. Elle, c'est une star. Elle peut mettre ça. Mais quand on parle déjà du couple, quand on compare les couples, non, mais ça est Amon. Non, au niveau de beaucoup de choses, le couple Amon ne vaut pas.
ne vaut pas un centime. Donc ça veut dire que tu as dans le couple, mais sans être plus éduqué, plus bizarre. Plus mais oui. Ça représente la nouvelle diaspora. Oui, ça représente la diaspora. Même sans être parti se marier au Cameroun dans sa famille, mon frère. Ça représente la diaspora qui se bat. La diaspora qui se bat et qui s'en sort. Et ça représente la diaspora qu'on aimerait voir à leur retraite. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? Ouais. Qu'on aimerait voir à leur retraite. Parce que je connais ce que les Suisses, quand tu es en Suisse, je sais ce que tu gagnes le jour que tu vas en retraite. Mm-hmm. À n'importe où tu poses ta valise, ton argent, comme chez Chopin, non? Mm-hmm. Oui, ça tombe tous les mois. Ça tombe tous les mois. Et regarde les enfants de Messan, les deux petites... les jumelles. Non, mais on les voit quand même. On les voit. Je vois leurs robes. Je vois les vêtements que les enfants, les filles, les petites filles de Messan mettent. Tu as vu les clés de la voiture de Messan, non? Mm-hmm. Les deux clés. Maman, c'est la même chose. Il a deux clés. Gars, on juge par là. Les deux clés qu'il a déposées, c'est pas la rigolade. Et la carte est grise à son nom. Non, mais attends, mais il n'y a pas... Il ne faut pas blaguer. On ne blague pas, on ne blague pas. On ne blague pas le détail. Mm-mm, le détail, on ne blague pas avec ça, non. Je me sens que c'est la classe. Et, hey! Oui, c'est la classe. Non, tu peux pas jouer avec ça. C'est la vérité. C'est la classe. Les fans de Messan, envoyez les cœurs. Hé, hey, Messan, j'ai même entendu un dire que, oh, Messan, un homme qui fait le Njangsang. Le budget du Njangsang, si on donne ça à un féman, il ne va pas dormir affamé. Le budget, c'est n'importe qui fait le Njangsang. Voilà. C'est n'importe qui compose les laits. Je vais vous dire, le Njangsang, c'est un bien-être que quelqu'un choisit, en fait. Voilà. Tu choisis de dépenser sur quelque chose que tu peux abandonner et économiser. Mmh. Mais lui choisit de ne pas économiser cet argent et faire le Njangsang. Voilà. Tu comprends? Donc, c'est pour dire quoi? Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui met l'argent sur lui, en fait. Exact. Hein? Mmh. Voilà. Donc, insulter quelqu'un que, oh, tel fait le Njangsang et que c'est une injure. Non, c'est pas une injure. C'est que tu insultes quelqu'un qui investit sur son corps, sur ce qu'il aime. Tu comprends? Mm-hmm. Il investit. Parce que si on te donne l'argent d'une jangsa, là, tu vas aller acheter les pâtes aux enfants. Oui, tu vas aller acheter les pâtes aux enfants. Mm-hmm. Alors, et tu ne peux pas insulter un homme qui fait le jangsa alors que toi, tu as une femme qui fait le décapage. Ah, ça, c'est clair. Hein? Ça veut dire que tu insultes ta femme. Exactement. Voilà. Parce que c'est comme ça. Donc les gens réfléchissent. Il y a parfois, ils font des choses, ils ne réfléchissent pas. Je ne peux pas être que j'ai le Njangsang, mon mari insulte les gens qui font le Njangsang. C'est qu'ils m'insultent. Mais c'est que c'est. Ici, c'est... quoi là? On est à Eligedjoa, le quartier d'Amout. Le quartier d'Amout. Pardon, ferme bien la vitre. le quartier où est né le vol de Yaoundé et les agressions. Aïe! Ouais, c'est de ça. Moi, je ne suis pas dans le clash. Hein. Ici, là, à Eligedjoa, je vous dis que la seule école que les ressortissants de Eligedjoa ont, c'est le vol. Tu as vu, non? C'est eux qui ont cassé les machins. Ah, mais dès qu'ils arrachent ton sac, ils descendent là. Uh-huh. On arrache ton sac, ils descendent là. Et qui? Mais, en me sortant d'ici, et beaucoup d'autres aussi que je connais, il est à féliciter. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que être féman, c'est de la poubelle. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Je ne vais pas aussi accepter que mes sans disent que être féman, il faut les zigouiller. Non, parce qu'il y a aussi des féman, il y a des féman qui sont propres. Mm-hmm. Oui, féman qui sont propres. Mm-hmm. Comme Amo, il est féman, il est propre. Hmm? Mais il doit cacher son métier. Non, mais le problème même, c'est que si tu es féman, tu es sale, tu ne vas pas pour réussir à faire. Parce que tu dois beaucoup t'habiller. Hein? Ah, ça c'est clair. Tu dois être très propre pour que quand quelqu'un vient te parler des milliards qu'il veut t'arracher, que tu dises que non, celui-ci ne peut pas être un bandit. Parce qu'il est très propre. Et les fémans sont toujours en danger. Ils marchent toujours en regardant partout. Ils, en bon, hein? Mm-hmm. Ils ont toujours les armes.
ils sont toujours armés. Si celui-là n'est pas armé, sache qu'il a un policier en civil à côté. Mais oui, parce qu'il ne sait pas partout où ils zigouent les gens. Il ne sait pas. La fémania, ce n'est pas un bon truc. Hein. Ce n'est pas un bon truc. C'est un truc que pour moi, je conseillerais aux gens de faire et puis quitter. Moi, je ne peux pas conseiller aux gens de faire ça parce que c'est la malhonnêteté. Non, c'est très malhonnête, mon c'est frère. Très malhonnête. C'est parce très que malhonnête. On dit non, tu conseilles à ceux qui ne peuvent pas gagner leur vie autrement de faire et de travailler, laisser. De laisser. De travailler. De laisser. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Parce qu'un fémant peut faire à ce qu'un investisseur. Il y a même quand... combien de personnes là? Parce qu'ils ne partent pas à moins de 500. Ah non, ils sont à 650. Ok, si c'était 500, je me tais. Non, ils sont à 600. Depuis que tu parles même de mes sangs, là, ça a explosé encore. Oui, oui, oui. Non, mes sangs, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Et la personne qui va insulter mes sangs, qui fait le genre, ça, c'est de la pure pauvreté qui le dérange. Ah, exactement. La pure pauvreté, parce que les crèmes, ça coûte cher. Exact. Voilà. Et un homme qui fait le genre, ça veut dire qu'il se lave. Ce n'est pas vos peaux de crocodile. Parce que les hommes ne savent même pas s'entretenir, les Africains. Tu vois, je vois les Camerounais là sur le... Sur la toile là, ils ont les doigts blancs comme s'ils vendaient la farine. Ils ont même les teints blancs comme des magouillards. Ils sont bizarres. Mais quand tu vois un homme qui fait le genre en pensant que le gars met l'argent sur lui, mon frère. Tu sais, les gens confondent aussi le genre sang et les soins du corps. Amen. Parce que quand tu es habitué à aller dans des salons. Les salons de soins. Les salons de soins là. Mm-hmm. On peut croire que tu fais le genre sang, pourtant que non. Tu as dit que tu entretiens ta peau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai dit, hein, mm-hmm. Tu as vu quand me censé lever pour montrer son slim. Hey. Jusqu'à les gens disent qu'un père, 51 ans, un père. Je ne sais même pas comment est-ce que... Mais les gens sont quand même mal. Je ne comprends pas. Tu peux appeler me sens un... Dis qu'un père, mon frère. Hey. C'est ici. C'est ici, mais pourquoi? Viens. Ouvre un peu. C'est comment? Il n'y a pas du monde. Hein? Il n'y a pas le monde. Hein? Il y a le Jean. Pourquoi il ne me voit pas? C'est à l'intérieur. Oui. Ah. Ok. Appelle-moi. Appelle-moi. Appelle qui? Viens un peu ma personne. Tu manges quoi? Mmh. Il y a quoi à briser là-bas? Je peux commander? Oui. On peut entrer dans la voiture. Oui, on peut entrer. Comme ça, on entre. Oui, attends, j'appelle. Non, elle dit que. Regardez un mec à ma 50 ans. Regardez un mec à ma 50 ans. À 55 ans. Il faut qu'on entre. Quelqu'un veut entrer derrière. Ah. Allô, Pouboya? Pouboya, dans où toi? Commandez. Ok. Hein? Amen, toi tu manges quoi? Il y a quoi? Il y a un Uriemi ou quoi que? Ok. Je vais manger dans ce que tu as dit là. Non, mais dis ce que toi tu aimes. Ouais, j'aime tout, maman. Tu veux poisson ou poulet? Brochette. La brochette, hein? Mm-hmm. Oui. Ouais. Ok. Combien de brochettes? La brochette, bon. Hein? Quatre. Mm-hmm. Ok. Donc, j'ai dit. Un poulet. Oui. Un oui. Quatre brochettes, voilà. Et le vous mélangez les frites de pomme et frites de plantain et miandre. Voilà. Vous brisez bien mes mains. Non, non, on mange là sur place. Je tourne en haut. Pardon, mets ça au feu tout de suite. On a trop faim, s'il te plaît. Je tourne en haut. Mets ça au feu tout de suite. On a trop faim. Bon, c'est fini. Mm-hmm. Bon. Maintenant, on peut faire un tour encore, non? Bah oui, non. Non. Non, moi, je suis mes sangs, hein. Je suis mes sangs 100%, moi.
Si, mais ça, tu sais que moi, je n'aime pas le... L'escroquerie. Je n'aime pas non seulement l'escroquerie, mais je n'aime pas... Bon, après, l'escroquerie, c'est la vie privée de chacun. Mm-hmm. Mais je n'aime pas les gens qui viennent faire du tape à l'œil en Afrique, alors qu'ils ne valent rien, en fait. Voilà. Tu vois? Mm-hmm. Voilà. Parce que nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, j'ai déjà convaincu beaucoup de personnes qui ont enlevé le cœur sur l'Europe. Voilà, exactement. Voilà. Donc, même le jour que je suis foiré, M. Chapuis, il m'envoie l'argent. Ça ne veut pas dire que le Cameroun, c'est de l'or. Le jour que je suis foiré, il m'envoie l'argent. Et ça prouve que tu peux être marié, avoir ton mari blanc. Tu le laisses dans son pays et te nourrit au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Que Mme Chapuis cherche une femme Bamoun. Hein? Elle m'avait trouvé une femme Bamoun, banquier là-bas. J'ai fui. Amel Kamel, c'est quelqu'un qui est stable dans sa tête. Hey, pardon. Pardon, je ne veux pas. Je ne veux pas avoir les problèmes. C'est parce que... Comme je n'avais pas payé le taxi, non. Donc tu n'avais pas payé le taxi à la fille, là. Oui, non. Oui. Mais la fille, elle me dit carrément que mon mari donne 300 pour le taxi. Elle me dit que tu me prends pour qui. Tu lui as donné combien? 300. Ok. Hey, amen. Non. Il fallait me dire, comme les Ivoiriens disent, il fallait me dire. C'est la fille Bamoun Métis, là, non. C'est qui travaille à la banque. Non, mais tu as exagéré. Comment maman, tu... il ne savait pas que pour me demander l'argent, hein. Ça, tu as donné 300 francs à Ben oui, non. Non. Hey. Non, il fallait m'appeler. Hey, il fallait m'appeler. Oh non, non. Je comprends pourquoi elle ne m'a plus jamais appelé. Est-ce que... Ah, mais tu gardes mes relations. Tu gardes mes... Est-ce que je peux tenter de dire que je... On était allé manger à la briqueterie. Il a dépensé à la briqueterie 1300. Hein? Il a dépensé à la briqueterie 1300. Tu as dépensé 1300. Oui. Tu sais combien on va dépasser là maintenant? Hein? Là. Hey, c'est pas maman. Non, hey, c'est pas la rigolade. Hein? T'as vu le cadre? C'est pas la racaille. Ah mais tu vas manger, c'est pas la racaille. Tout ce qu'on a commandé, tu sais, ils servent avec de la salade. Hein? C'est, hey. Oui, ils servent avec de la salade. Oui, Maki Norris, la fille 300 le temps. J'avais déjà même pour payer le soya. J'avais payé le soya 1000. Ouais, bah, elle met les 2000. Oui, ouais. J'avais payé 1300. La fille n'a même pas participé. Hein. Non. Hey. Non. Après, Amérique veut rentrer. Dit, l'Amérique n'a pas dans le taxi. Il dit que comment ça, tu n'as pas dans le taxi? Ok. Et les 300 que le gars m'avait remboursé dans le truc, il y avait les 300 que je lui ai donné. Donc, hein? Dit, oui, non. Donc, l'argent que tu avais remboursé au soya? Oui, j'ai pris 300 et je lui ai donné. Mais, hey. Les gars sont terribles, hein. En fait, tu as payé le soya de 1300. Mm-hmm. Tu as donné 2000. On t'a remboursé 600. Tu as donné 300. Tu as même resté avec 300. Maman. Ouais. Je n'ai pas l'enquête, mais j'avais les dos sur moi. Hey, beaucoup de gens pensent. Non, c'est j'avais les dos sur moi. Ok. Maman. Aïe. Vous n'avez pas l'argent. 1300. Ok. Mais ça, le plan de héros, c'est 500. Hein. Le plan de héros, c'est 500. Donc, si tu dépenses 1300 pour une gars, il ne faut pas qu'elle pense que c'est à cause de vous que gars, vous surenchérez les gars là dehors. Mais. Je ne peux pas rester célibataire comme je suis là. Ça, c'est pas possible. Les gens sont là, vous pensez comme Black. Le dos est dur. Parce que je suis crypto-millionnaire. Amen, je suis en train de chercher là où on peut prendre quand même un peu de viande grillée en attendant que on arrive là-bas. Non. Nous m'avons arrivé, on va trouver que c'est qu'ils ont déjà fini. Hein? On va trouver qu'ils ont déjà fini. De faire? Ouais, ouais. Non. Il leur faut quoi? Il leur faut 20 minutes. Attends, l'agneau de... Il dit qu'il y a les boîtes de nuit partout ici à Essence. Il dit que... Je suis les bassins, comment? Vous me mettez vous à ma place, mon frère, l'angale est Joe. Et c'est sur mes Joe qui vient de chop. Ah, t'es n'a pas encore libéré. Ok. Si au moins libère, tu vas comprendre au moins que l'angale a libéré un tout. Tu vois que bon, voilà, ça fait partie de la construction de la relation. Mais l'angale libère par premier rendez-vous. Mm-hmm.
Aïe. Tu connais ici? Ici, c'est l'hôtel du plateau. Ah, ok. N'ayant pas que l'argent est facile ici dehors. C'est facile quand c'est dans mon argent, oui. Et qui? Ah mais le taxi c'est la chose. Il dit quoi? Il dit que le taxi même c'est 250 francs. Donc la fille devait économiser 50. 50. Ouais, salut Kenzo Bass. Chapitre. Là, il y a le lobbying. Chapitre est dans le lobbying. Non, mon niveau, ce n'est pas ce que vous dites là. Le niveau est trop élevé. L'autre m'appelle villageois. Villageois où? Parce que tu as donné 300. Bah, donné c'est, 300. Femme, c'est, une fille qui, c'est une femme qui t'appelle villageois là. Je t'ai dit, une femme vient chez un homme. Elle va prendre son argent, taxer aller-retour. C'est ce qu'on appelle aussi le respect. Le respect, c'est aussi ça, que tu pars manger avec là, un homme. C'est là tu paies aussi pour c'est toi. C'est là où j'aime les interventions de Natacha. Elles doivent aller à l'école de Natacha. Et t'es dit que... Natacha dit qu'il faut miser. Gros. Non, mais les gens sont là. Attends. Premier rendez-vous, mon frère. Tu as investi sur quelque chose que tu n'es même pas sûr. Non. Tu dis d'abord, on voit comment on peut faire, on évolue. Là maintenant, ok. C'est vrai, ce que tu dis. Attends. Maman, fallait voir l'anga. Elle tape. Aïe. Elle chope. Maman, elle dit que non, je veux la viande tendre. Elle disait même non. Hein? Hey. Ne me dis pas. Maman, elle laisse. Mais la manière que j'ai sorti l'argent. La manière qu'elle est sortie, l'argent dans mon porte-monnaie, elle me met la tu as sorti un billet de 2000. Il dit que la manière qu'il s'était enroulé, elle a compris que. Mais, amen. Il dit que. Hey. Elle s'est demandé qu'est-ce que le gars, même c'est un benguiste. Elle s'est demandé si tu étais un benguiste. Ouais, tu vas finir les côtes de mes followers. Tu vas finir leurs côtes. Il y a quelqu'un qui dit que ouais, Amel Kamel, tu es méchant, tu as vendu Max Seigneur et Calibré à Vision 4, le reportage de ça. Attends. Ah bon? Ah ouais? Mm-hmm. Ah oui, le reportage. Qui cherche le là, ce soir sur Vision 4. Là, on a déjà parlé d'autre. J'ai dit les followers ici sont tenus. Et l'autre amène le sujet parce qu'il veut que tu, il faut que tu casses encore le sucre sur la tête de Max. Et Calibré. Ah, pour les papiers, Amel, effectivement, tu avais tout dévoilé. Et est-ce que moi, je blague? Oui, tu avais tout dévoilé. Et Christian Zanga. Uh-huh. Christian, hein, tu connais, non? Oui, l'éclaireur de la République. L'éclaireur de la République a découpé le morceau là. Il a allé déposer à la CPI. Il a découpé ce morceau là où tu uh-huh. expliques exactement ce qu'ils veulent. Oui. Il a découpé, il a déposé en France, là où est Calibri, il a déposé aussi là où est Max Seigneur. Il a même déposé même en Angleterre. C'est là où toutes leurs histoires, là, c'est dans l'eau. C'est, mais regarde celui-là, non qui a encore vendu Calibri correctement. Que pardon, ne dis plus trop qu'on brûle le Cameroun. Hein. Parce que moi, mon Cameroun, il y a ma famille. Dedans. Toi, tu n'as pas d'attache. Exact. Tu n'as pas d'attache au Cameroun. Donc, ils ont fini par dévoiler eux-mêmes que Calibri n'est pas Camerounais. Et c'est la fin du combat. On leur a dit ça, hein, que c'est comme ça que ce combat allait finir. Hein. On leur avait dit ça. Là, et c'est ce que nous, on demande à Steve Farr, d'avoir une conviction qu'il défend sur la toile et qu'il ait les followers par rapport à ses convictions. Beaucoup de gens savent que quand Mme Chapuis se connecte, si tu n'aimes pas Kamto, tu viens. Si tu aimes Paul Biya, tu viens. Tu n'aimes pas Kamto, tu viens. Donc, on sait que c'est comme ça. On sait que Mme Chapuis s'en fout des injures. Parce qu'elle a eu sa conviction, en fait. Mm-hmm. Et non, que dès que Mme Chapuis parle, tu viens, tu coupes un petit morceau. L'autre parle, tu coupes un petit. Finalement, on ne sait pas qui tu es. Tu es un caméléon, en fait. Exactement.
C'est pas ici qu'on doit entrer. Hein? Oui, c'est ici. Il y a le parking, il y a tout. Hein. Ça ne... ne blague pas. Non, ça ne blague pas. Hey. Mais c'est pas quel doigt Guimon. C'est bon. Quel doigt Guimon, mon agent à Yunga. Mon cœur bat jusqu'à. Je ne sais pas pourquoi. Ne me dis pas, Amir. Je te dis. Non. Quand il pense qu'il veut Guimon, mon agent à Yunga. Ne me dis pas. C'est comme si, je ne sais pas. Nickel. Nickel. Bon, on va vous laisser. Amec, Amec, tu es méchant. Tu as vendu Max Seigneur à Vision 4. Ah, c'est tout le même, pas même personne. Emmanuel Kamé. Que de respect, man. Un peu de respect. Respect en quoi? Les gars sont terribles, c'est quoi?